Ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le lapirino, c'est le canacha. Matt, le reporter choc, vous présente l'écure au tigre. Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y'a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans une heure. Ou deux. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh, ça vient du flapacha. Vite, ouvre-le. C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Je peux pas l'enlever. Oh là là. Matt, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt. Oh, bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh bien, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons. Pas ça. Non, ça non plus. Ah. Oh, bah zut, il faut un mot de passe. Matt. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic! Tu nous l'échanges contre une peluche? Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours. Mais pourquoi le flapacha t'aurait envoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais! Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu te diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt! Je m'appelle Matt! J'ai un chapeau sur la tête. J'ai deux oreilles. Tu prends vraiment le flapacha pour une nouille? C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut. Tu suces encore ton pouce? Bon... Tu mets tes doigts dans le nez. Tu manges des bonbons en cachette. T'aimes le rose? Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Non! Moi aussi je mets les doigts dans le nez. C'est pas si honteux. On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça. Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachotier. Ah, c'est que... je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapirinos, le canacha, l'écure au tigre.
Ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle. Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un. Super dur à trouver en plus. T'imagines s'il trouve un truc sur le Flapacha? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ah! Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. Hein? C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y'a pas de licorne dans la forêt. Et y'a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Oh ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance! Je pars attraper un écureau-tigre! Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Ouh. Petit, viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Si. Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt? Oui. Des animaux encore plus merveilleux que l'écureau-tigre? Oui. Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Wow! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va prendre le Flapacha! Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer! Message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. Les cures au tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe. Le travail de peinture. C'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi,
il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là. Dis donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui? Très fort aux cartes. T'inquiète, l'important c'est de participer. J'ai gagné. Ça va, Lisa? Aïe, je savais que ça finirait comme ça. Oh, c'est pas juste! Si t'as gagné, c'est parce que... parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit. Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer. Et puis c'est tout. Il vient de se passer quoi là? Je vais vous expliquer. Lisa est une mauvaise perdante? Oui. Et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Donc, elle perd tout le temps. Et après, elle s'énerve. T'as essayé de cacher son jeu de cartes? Bien sûr, c'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire. Elle finit toujours par le retrouver. Trouver. Et si on la laissait gagner une fois? Ça lui en montrerait le moral et tout rentrerait dans l'ordre. C'est une idée géniale. Ils y connaissent rien. Tu fais une partie? Ça va, j'ai compris. De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer. Flapacha? Flapacha, c'est toi? Oh! Je vais jouer avec le Flapacha! Elle comptait pas cette partie. On en fait une autre, d'accord? Flapacha? 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 Flapa... Il était là et il a oublié son coussin. Waouh! C'est tout doux! Un coussin magique! D'accord, je comprends mieux. C'est avec ça qu'il a gagné. Quel tricheur! Mais c'est quand même dommage de le laisser là. Vous êtes sûr que ça va marcher? Mais oui, t'inquiète pas. Essaye juste de jouer le plus mal possible. Attention, la voilà. Hé, les copains! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi? J'y crois pas! J'ai gagné! La chance était de mon côté cette fois-ci. Ouais! Bravo, Lisa! C'était vraiment bien joué. Et si
on faisait un grand tournoi de cartes. Ouais, bon bah sans moi. Hein. T'as pas envie qu'elle bouge jusqu'à la fin des vacances, hein? On va faire son tournoi et la laisser gagner. Ouais, encore gagné. Bravo, Lisa. Oula là, j'ai gagné. Oh ouais, c'est moi qui gagne. Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante. Mais t'as oublié de préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante. C'est moi qui gagne. Oula là là là, c'est moi qui gagne. C'est vrai qu'elle exagère un peu. Si on gagnait une partie, juste une. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Hippolyte. Je faisais juste remarquer à tout le monde que j'étais la meilleure aux cartes. Tu as un jeu de cartes? Oh, j'adore les jeux de cartes! 7 fois champion de cartes de l'Académie des Intendants, 3 médailles d'or au jeu des 7 familles, et vainqueur toute catégorie à la bataille! Alors, les jeux de cartes, ça me connaît. Je veux pas vous décevoir, mais à mon jeu, c'est moi la plus forte. Est-ce que c'est un défi? Oh non, pas du tout, du tout. Oui, c'est un défi. J'accepte. À tout à l'heure, pour ta raclée. Oh non, elle va se faire ratatiner. Elle va recommencer à bouder et tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Le rendre, mais après la partie contre Hippolyte. Lisa, faut qu'on te dise un truc. Oui, quoi? Ah non, je peux pas lui dire. Allez, sois un homme. Ben voilà, avec les copains, on t'a laissé gagner toute la journée, on a perdu exprès. Bien tenté, cousin, mais c'est raté. Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça. Un coussin? Je l'ai emprunté au Flapacha. C'est un coussin porte-bonheur. Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte. Alors on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté? Mais c'est de la triche! Et alors? Ça nous arrange, non? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte. Salut les copains! Riton? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est le Flapacha qui m'envoie. Il aimerait bien récupérer son coussin magique. Tu veux dire son coussin magique porte-bonheur? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus. Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le Flapacha. Il est naturellement hyper fort à tous les jeux. Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous. Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte. Triton, il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie, ok? C'est d'accord. Ouais. Oh, merci, Riton. À quoi ça va servir? On sait qu'il est pas vraiment magique, ce coussin, non? Oui, mais Lisa, elle le sait pas. Prête à prendre ta raclée? C'est quand vous voulez. Et c'est parti! Gâteau. Ouais, super. Bon, bah, faut finir en vitesse, hein. Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur au Flapacha.
Mais vous êtes bouché ou quoi? C'est pas un coussin porte-bonheur. Riton? C'est quoi cette histoire? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin. C'est parce qu'on a fait exprès de perdre. Pourquoi vous avez fait ça? On voulait que t'arrêtes de bouder. Moi? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante. Je suis une mauvaise perdante. Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte. Bonne la mi-temps! Bravo pour la première manche, mais je dois t'avouer quelque chose. Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier. Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main. Ha-ha! Surtout, tu restes calme et tu respires bien profondément. Qui va gagner? C'est Tonton Hippolyte! J'étais comme ça quand je gagnais? Non, t'étais pire! J'abandonne. Vous êtes trop fort, Hippolyte. J'ai gagné! Et toi, t'as perdu! C'est moi le plus fort! Tiens, Riton, j'en ai plus besoin. Merci, c'est le Flapacha qui va être content. Parce que... Gagner ou perdre, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on s'amuse. T'as tout compris, Lisa. C'est toi la meilleure. Mais c'est moi qui ai gagné. Je veux qu'on me porte. Attendez-moi, les enfants.